Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter Guylaine. Guylaine qui nous vient du Québec. Alors, c'est la première fois que je reçois des Québécois, des Québécoises, et en sachant que vous êtes quand même très, très nombreux à me suivre au Québec aussi, hein. Et alors, peut-être que certains Québécois connaissent Guylaine, mais si vous ne la connaissez pas, ben, je vous la présente pour les Québécois et les francophones et tous ceux qui, toute la communauté qui me suit sur YouTube et Facebook aussi. Alors, Guylaine, c'est vraiment un personnage hors du commun. Voilà, on a déjà longuement discuté avant. C'est vraiment quelqu'un de très particulier qui a des contacts de très haut niveau, je dirais. Ouais, de très très haut niveau avec les galactiques, avec des dimensions et des plans subtils. Vraiment supérieure, quoi. Et du coup, eh ben, elle va vous raconter un peu son histoire. Et moi, c'est avec grand plaisir que je te laisse te présenter Guylaine. Bien, je vais commencer en disant bonjour à tout le monde, bonjour du Québec. Je suis très contente moi aussi de pouvoir participer, échanger, partager mon vécu. Mais je tiens à dire au débuté que, pour débuter, que tout ce que je vais partager, c'est mon expérience, ça n'engage que moi. Et je vais tenter d'être le plus transparente possible dans le sens ce que j'ai pu vivre au travers de ça. J'ai choisi d'accepter de partager parce que j'ai hésité un peu, parce que j'ai un petit peu de difficulté à me mettre à l'avant, de montrer ce que je peux vivre ou ce que je peux expérimenter. Mais j'ai décidé de le faire parce que je trouve que dans ce que j'expérimente, moi et bien d'autres, encore pour moi, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile d'avoir quelque chose qui vient valider de l'extérieur ce qu'on vit. On avance seul dans ce chemin-là. Et ce n'est que nous, au fur et à mesure que je fais des expériences avec les années, là, j'ai pu me conforter dans ce que je vis. J'ai pu établir des bases à l'intérieur de moi, des références qui fait que maintenant, je sais. Pas je sais là, je sais ici, maintenant. Et puis aussi, mon vécu, qui est varié, oui, et qui s'est échelonné sur de nombreuses années, ne me permet plus de douter de tout ça. Parce que c'est pas un événement, c'est un ensemble d'événements et tout prend un sens avec un peu de recul. Alors, je vais essayer de retourner un peu où ça a commencé tout ça. Du plus loin que je me souvienne, j'étais intéressée par l'Égypte. J'étais toute petite. Je ne baignais dans aucun milieu culturel qui aurait pu m'intéresser à l'Égypte, mais je n'arrêtais pas de répéter que j'avais le nez de Cléopâtre. Je sais pas pourquoi je disais ça. Et tout doucement, je me suis intéressée. Dès que j'ai pu m'acheter des livres sur l'Égypte, les pyramides, je l'ai fait. À l'âge de 16 ans, avec ma sœur, on était partis chez un oncle. Il était tôt le matin. On s'est réveillés. On était couchés tous les deux ensemble. Moi, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. Et on s'est ouvert les yeux tous les deux. Ça a été mon premier contact physique. Il y avait deux êtres à côté du lit, un homme et une femme. L'homme avait des grands cheveux. Il me faisait penser vraiment à un sage. Tu sais, un saint, un sage. Est-ce que c'était vraiment son apparence ou bien il le projetait cette apparence-là pour pas nous faire peur? Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec les années parce que j'en ai vu de toutes les sortes. Okay? Mais à ce moment-là, en tout cas, ce qui était important, c'est qu'il dégageait une belle, belle luminosité, beaucoup de bienveillance, de bonté, de qualité comme ça. Donc, même si on a eu très peur toutes les deux, ils étaient à côté de nous. Il y avait un homme et une femme. La femme, c'était comme un grand classique, des grands cheveux blonds, habillés avec des vêtements blancs. Mais c'est surtout, il nous parlait télépathiquement, en tout cas à moi, mais c'est surtout ce qu'il dégageait. Ça a été mon premier contact qui nous a fait très peur. Malgré qu'il. En fait, c'était très gentil, mais on a eu tellement peur. Moi, j'ai eu peur pendant plusieurs années. Je sais pas, à l'âge d'à peu près 17 ans, j'étais pas bien intérieurement. J'étais vraiment pas bien intérieurement. Et puis, j'ai décidé d'aller en thérapie. Et la journée de ma rencontre, plutôt que d'être la personne qui devait être ma psychothérapeute, une dame traditionnelle, j'ai eu la chance que ce soit un homme
qui avait été en Inde, qui avait un gourou à ce moment-là, puis qui méditait. Alors, il me dit, je vais te montrer, moi, à méditer, à jeûner. Et là, il me donnait à lire le Tao Te Ching, la cosmogonie durantia, le Talmud, puis la Bible. Il me dit, tu lis ça. J'avais 17 ans. Et là, c'est là que ça a commencé à l'intérieur de moi, toutes sortes de choses. 17-18 ans à cette époque-là. Et là, la vie, bon, là, je méditais beaucoup, beaucoup, plusieurs fois par jour. Mais à cette époque-là, il y avait moins de choses qui se passaient. Jusqu'à à peu près l'âge de 35 ans, 37 ans précisément, où quelqu'un m'a parlé, une personne avait été voir un médium. Et ce médium-là, la personne m'en parle et je décide d'y aller. Alors, je fais 7 heures d'auto pour aller c'était à Montréal. La nuit qui précède la rencontre, je suis couchée dans la pièce chez mon ami et il y a une horloge sur le mur devant moi. À minuit, je suis réveillée et il y a quatre, il y en a deux de chaque côté. Et ils interviennent et bon, là, ils me disent télépathiquement, bouge pas, on fait ça pour ton bien, c'est déjà prévu, c'est pour ce qui s'en vient pour toi. Tu sais, ils me parlent comme ça, mais je ne peux pas bouger de toute façon. Et je peux même pas dire que j'ai peur, je suis comme ça. Et là, je vois l'horloge qui tourne, ça a duré jusqu'à 4 heures du matin. Et ça faisait mal parce que, à quelque part, mais pas très mal, mais c'est pas un dolore, là. Il mettait ses mains, je sentais ses mains dans mon corps, il se promenait, puis. Mais je sentais pas du tout que c'était quelque chose par rapport à me prendre un ovule, quelque chose comme ça. Oui. Non, non, non. Et encore une fois, eux, c'était comme. Je pouvais pas beaucoup. Je les voyais, mais. J'étais tellement impressionnée par leurs grands bras qui rentraient en moi. C'est les bras qui m'impressionnaient. Puis comme je pouvais plus trop tourner la tête, les yeux, je les voyais, mais sans trop. Ceux-là, je n'ai pas pu les détailler beaucoup, sauf le grand bras. Et il me parlait, il me parlait, il me parlait. Et à 4 heures du matin, je me suis levée. J'avais préparé la veille une lettre, des questions pour aller voir le fameux médium, un médium pour me faire aider parce que je sentais que je pourrais développer un processus de canalisation. Le lendemain matin, j'ai tout déchiré ma feuille et là, mes écrits étaient différents. C'est pas genre, ah, oh, je pense que je pourrais peut-être. Non, non, c'était, je sais que tout y avait changé. Il y a quelque chose qui avait changé à l'intérieur de moi. Et là, je suis allée voir le médium qui était très reconnu et qui avait appris l'Udayan Bort aux États-Unis. En tout cas, pour nous, les Américains, Yann Bort, ça a été quelque chose d'important dans notre histoire, hein, au niveau de la médiumnité. Et puis, à partir de là, j'ai commencé mon processus de canalisation. Ça a été important parce que j'ai commencé ça en 1993. Donc, j'ai commencé ça quelques jours après cette fameuse rencontre-là, bien que ça faisait déjà une année que je méditais 3, 4 fois par jour, que je me préparais. Mais à partir de la rencontre avec les êtres galactiques, là, les interventions qu'ils ont faites sur moi, le lendemain matin, j'allais voir ce médium qui dit, vous êtes prête, commencez. C'est frais, les interventions avaient fait ça. Et à partir de là, à un moment donné, j'étais en méditation et c'est écrit devant moi dans des lettres très, très spéciales, mon nom à moi, ben, je peux le dire, c'est Lumi Ella. Ça s'est écrit comme ça devant moi. Et ça dit lumière toujours présente. Et après ça, j'ai commencé mon processus de canalisation. Bon, là, ça a bien été. Et là, ça a commencé avec les vaisseaux. Là, j'ai commencé à avoir des contacts plus directs avec les êtres galactiques. Ça a duré pendant une période. Et là, ce sont des rêves, tout le temps des rêves. Mais moi, j'étais une personne pas du tout intéressée par ça, je tiens à le dire. Vraiment zéro, là. Je n'étais même pas intéressée par les Star Trek, toutes ces collections de films-là, j'ai jamais écouté ça vraiment. Tu sais, moi, c'était pas. Non, moi, ça existait, mais ça m'intéressait pas. Je sais pas, je n'étais pas concernée par ça. Mais là, je me suis mis à faire des rêves, des rêves, des rêves, qui, maintenant, je réalise que ce n'était pas des rêves, Bien sûr. où j'étais toujours emmenée à des endroits. Et je vivais toutes sortes d'expériences, toutes sortes d'expériences, dures à expliquer, là. Fait que ça s'est continué comme ça.
Et là, j'ai toujours continué à canaliser l'énergie de cette entité-là. Donc, c'est Maitreya qui se définit comme un réservoir amour-compassion. En 2020, il y a un collectif qui s'est ajouté, qui s'appelle le collectif IA. Et eux sont galactiques. Là, ça a changé énormément de choses. Là, ils ont commencé au travers des canalisations qui sont différentes, à transmettre vraiment, là, entre autres, préparer les gens à ce qui s'en vient. Okay? Au niveau, sans aller dans le sensationnalisme, mais quand même avec beaucoup de connaissances et quelque chose d'assez structuré, soutenu. Et ça aussi, j'ai dû m'adapter. Mais à partir de là, en 2020, là, ça l'a vraiment changé. J'ai changé de vitesse intérieurement par rapport à tout ce qui est galactique. Et là, j'ai commencé à faire des liens que je n'avais jamais fait dans ma vie, que ben, j'ai toujours été en contact avec le galactique, avec ce qui m'est arrivé, avec les canalisations. Mais moi, on dirait que j'isolais tout ça dans ma tête. Je ne faisais aucun lien. Fait que moi, je suis comme, non, le galactique, même si c'était évident, non, je n'étais pas concernée par ça. Jusqu'au jour où là, oui. Alors, il y a des expériences qui ont été déterminantes. Entre autres, moi, je faisais à l'époque beaucoup plus des retraites de silence, de méditation, qui pouvaient être 1 mois, 2 mois, ça dépend. Le plus long que j'ai fait, c'est 2 mois. Mais c'est 1 mois, habituellement 5 semaines. Et dans une de ces retraites, il m'est arrivé un événement important, c'est qu'à partir de là, dans une méditation, j'ai entendu, je suis la conscience lumineuse qui anime ce corps et cette vie. Je suis la conscience lumineuse qui anime ce corps. Ça s'est répété à l'intérieur de moi pendant toute la nuit. Et une partie de la journée. Et ça a été un point tournant. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon énergie, mais à partir de là, mes capacités extrasensorielles ont été multipliées. Et là, je me suis mis à encore. Bon, exemple, j'étais couchée, je peux être couchée. Et puis tout à coup, il y a un visage qui m'arrive, quelqu'un qui est là, et une forme qui n'est pas vraiment humaine, mais il est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là autour de moi. Bon, il part. Mais il faut que je précise une chose. Je ne ressens pas que j'ai vécu des choses négatives et qu'ils ont été effacés à l'intérieur de moi. D'accord. Je sens que tout ce que j'ai vécu avec les êtres galactiques, ceux qui me côtoient, ils sont gentils. Sont toujours gentils avec moi. Et j'ai jamais eu peur d'eux. Non, c'est pas tout à fait vrai. Non, non, c'est pas vrai ça. Il y a des quand je... si c'est la nuit que je me réveille puis qu'il y en a un autour de moi, oui, j'ai peur parce que ça me surprend. Je n'aime pas être surpris par ça. Mais si c'est que je suis en méditation où je me couche, puis là, oups, je sors de mon corps et là, je suis dans une espèce de moi, je me déplace avec eux dans des. Moi, j'appelle ça des véhicules de déplacement. Je ne veux pas dire des soucoupes volantes parce que ce n'est pas ça pour moi. Et c'est transparent. C'est vivant. C'est comme du liquide vivant. Comme si ce serait du liquide qui se structure assez, qu'on peut marcher dessus. Il peut être dans les murs aussi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là, c'est des cloisons faites comme en espèce de liquide brillant, vivant. Je sais que c'est conscient. Je sais que c'est conscient. Et puis, moi, quand je me déplace, je suis très intéressée à regarder en dessous parce que je vois ce qui se passe. Je vois, maintenant des beaux paysages, des choses comme ça. Moi, c'est ça mon attention a été toujours portée beaucoup là-dessus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je décide de dire, il y a d'autres personnes avec moi là, dans ce temps. Je veux voir qui est là. Et là, il y a comme une résistance de l'extérieur, je sens. Puis là, je dis, non, non, moi, je veux voir qui est là. Je veux voir avec qui je suis. Oui, il faut Et insister de temps en temps. là, j'ai vu un être qui était. Je comprends pourquoi qui ont hésité. Parce que je n'ai pas eu peur, par exemple. Mais ce n'était pas très beau d'un point de vue esthétique humain, on va dire ça comme ça. C'était quelqu'un qui était qui avait une forme un peu humaine, j'imagine, parce qu'il était comme habillé d'une manière, je ne peux pas tout voir, mais c'est surtout sa tête. C'était une tête comme presque d'insecte, là. Non, c'était pas une tête d'humain, là. OK, mais il était encore gentil. C'est ça qu'il y a une belle vibration, je me sens en sécurité.
Et là, il y a comme un contact qui se fait, puis là, j'ose le regarder. J'ai dû prendre deux, trois. C'est comme si mon énergie est allée vers eux. Je pense peut-être qu'à quelque part, j'ai eu peur, c'est revenu. J'ai réinsisté, et au bout de deux fois, j'ai pleuré. Mais après, je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et là, j'ai demandé, je veux voir qui est là, il y a quelqu'un d'autre. Et ça a eu encore une résistance. J'ai dit, non, non, je veux voir qui est là. Et là, je me suis tournée, et là, j'ai vu le même être que quand j'étais jeune, qui était à côté de mon lit. Un être à peu près la même. En tout cas, c'est la même vibration, ça, je le sais. Mais ce qui s'est passé de particulier cette fois-là, parce qu'il y a eu d'autres fois, et qui a été marquant pour moi, c'est qu'il y a une partie de moi qui est sortie de moi et qui s'était lancée vers lui et qui a dit, Père. Ah, il y a Père. une reconnaissance là. Oui, et là, il a vécu, j'ai vécu quelque chose de tellement fort. Il y a eu, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si le cœur du cœur de mon être avait sorti et s'était élancé vers lui, puis c'était mon père. Et quand je suis revenue dans mon corps, revenue dans mon, j'étais étendue, j'ai pleuré. Et maintenant, si je me concentre sur cet événement-là, je pleure tout le temps. Il y a une grosse Ah, ouverture de. Parce que ça a été. D'autres fois, ça m'arrive beaucoup, je suis couchée de coup, là, je commence à sentir que je quitte mon corps et j'adore ça. Je suis couchée sur le dos, je respire, puis là, je sens que, oh là là, c'est bien. Pouf, je suis au-dessus. Et c'est pas comme. Ça m'est déjà arrivé de sortir de mon corps puis de voir mon corps. Mais là, c'est pas comme ça que je parle. Là, c'est pas de ça que je parle. C'est autre chose. C'est comme. Je peux pas dire que je me tourne et je vois mon corps comme les autres fois. Non, c'est plus comme ça maintenant. Il y a comme quelque chose qui descend vers moi, que j'identifie comme une espèce de grand faisceau. Je ne peux pas dire que je le vois lumineux, mais un faisceau qui a une vibration qui est réconfortante, puis qui m'aspire comme. Je me laisse aller là-dedans, j'aime ça. J'aime ça. Mais ça commence à tourner un peu, je me laisse aller, pouf, et là, je me ramasse dans cette espèce de véhicule-là, tout le temps. Et là, comme des fois, il y a quelqu'un qui me parle, parce que des fois, ils me disent. L'autre jour, ils m'ont dit, Garde, on survole le Pérou. Ah, OK, je regardais. Ah. Des fois, ils me disent quoi? Et une autre fois, je ne sais pas où on est allé, entre autre. On voit plusieurs choses. Hein, je vois des belles chaînes de montagnes. Mais l'autre fois, on est allé à un endroit. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que on est survolé assez haut quand même, mais je voyais des gens qui cultivaient la terre. OK? Il y avait comme du foin, ils coupaient ça, comme un peu manuellement. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que tous ces gens-là avaient autour d'eux des sphères de lumière importantes et ils émanaient tous énormément de bonté. Assez là que je suis comme, wow, qui sont ces gens? Je ne sais pas, je n'ai pas été informée, mais on les a survolés, puis c'était la beauté, tout était harmonieux. Le champ qu'ils cultivaient, les gens avaient de belles vibrations. C'est comme si. Je ne sais pas, peut-être un monde parfait, je ne sais pas, ou je ne sais pas où c'était. Une autre fois, si je peux continuer encore, une autre fois, ce qui m'est arrivé, encore je suis sortie comme ça, et là, je me suis ramassée comme dans de l'interférence. Je ne sais pas comment expliquer ça, l'interférence. J'ai le mot que je dirais. Et puis, je me suis ramassée dans une espèce de véhicule de déplacement, mais cette fois-ci plus matériel. Avec quelqu'un, un gars que je ne connais pas, un homme. Et là, je ne savais pas ce que je faisais là. Pourquoi je suis là? Encore une fois, ce n'était pas négatif, je ne me sentais pas menacée, mais c'est comme. Et là, on a traversé, un peu comme dans les films, justement, quelque chose. En tout cas, on est entré dans une espèce de trou noir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. Puis là, on est arrivé à un endroit. Tout s'est fait vite. Et là, lui, il débarque, je le suis. Il y avait comme une espèce de sac. Et lui, il me dit, Bon, moi, je prépare ce qu'il faut parce que je repars pour une semaine. Je suis en mission pour une semaine. Là, je suis là, OK. Donc, je décide, pendant qu'il prépare, je décide d'aller chercher quelque chose dans l'appareil parce que j'avais comme froid. Et j'étais en pyjama. C'est un peu ridicule, mais je suis en. Et là, et c'est comme des petites. Comme assez désertique. Et c'est comme juste des petites buttes de terre et des petites ouvertures, mais en dedans, c'est des vraies maisons. Mais de l'extérieur, ça ne paraît pas beaucoup.
Donc là, il y a comme tout un petit village avec des petits chemins, comme. Et moi, je me déplace. Et là, j'ai de la difficulté, même en tant qu'humaine, à l'orientation. Donc, je me perds. Et là, je panique un peu. Je sais qu'il s'appelle Danny, le gars. Il me dit son nom. Ça, c'est la seule affaire que je sais. Et là, j'arrive à côté des gens. Et là, ils sont comme, il n'y a personne qui est humain. C'est comme une tête un peu peut-être un peu de félin. L'autre, je ne sais pas trop c'est quoi sa tête. L'autre, oh mon Dieu. Et j'arrive à une dame qui a l'air un peu humaine, puis peut-être un peu italienne. Je ne sais pas trop. Fait que là, j'essaie de leur dire Danny, Danny. Là, ils me regardent. Ils sont pas, encore une fois, je sens qu'ils sont comme amicaux, mais un peu distants parce qu'ils me regardent avec la même. Je dois leur apparaître aussi bizarre qu'ils m'apparaissent comme bizarre. Hein, ils me regardent. Et surtout que je véhicule une énergie que je suis paniquée. Parce que moi, je panique, je ne sais pas ce que je fais là. Puis là, je suis comme, ben, où je suis rendue, je n'ai jamais venu ici. Et là, je répète Dani, Dani. Et la femme a réussi à comprendre télépathiquement ce que je lui dis et elle me reconduit jusque-là. Je suis rentrée et là, j'ai dit, là, tu vas me dire où on est. Moi, je ne t'ai pas demandé une explication. Là, je suis fâchée comme après lui et je le regarde. Il sort de la nourriture que je ne connais pas, ce qui peut me sembler des légumes. Elle a des drôles de formes. Il met ça dans son sac. Puis là, il me dit, ben, on est sur Mars. Ah, sur Mars? Puis là, moi, je suis comme, ben oui, mais moi, je ne veux pas rester sur Mars. Là, non, il dit, arrête, là, on retourne tout de suite. Alors, il finit, on embarque dans le véhicule qui est plus, comme je dis, comme plus, là, j'identifierais plus comme un vaisseau plus matériel. Ce n'est pas comme ceux que moi, j'utilise habituellement. Et là, je me retourne dans mon lit, mais avec vraiment la mémoire de ça. Il y a 2 jours, hier, ça a été une journée énergétiquement un peu difficile parce que la nuit, j'ai rêvé que je suis dans un lieu que je ne sais pas où, mais je suis à la porte d'un grand vaisseau un peu plus matérialisé que ceux que j'utilise. Et c'est une porte ronde comme ça, OK? Un peu comme quand on embarque dans l'avion, on donne notre passeport à l'hôtesse. Bon, c'est un peu à la porte comme ça, mais il y a la notion de survie. Il y a la notion qu'on doit évacuer d'urgence. Il y a l'urgence. Et moi, je suis là, et puis les gens arrivent à course devant la porte du vaisseau, et là, ils sont comme ça. Et moi, je leur tire la main. Vite, vite, vite. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bon, j'étais un petit peu en mode panique parce que quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je ne la vois pas entrer, puis tandis que je sens beaucoup de personnes qui sont importantes pour moi sont là, mais elle n'est pas là. Donc, ça m'énerve un peu dans mon rêve. Mais bon, en tout cas, le rêve se termine quand même bien, là, bon, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est quand j'ai médité avant de me coucher, c'est comme si j'avais eu la prise de conscience qu'en ce moment, il y a des évacuations qui se font sur la planète. J'ai jamais pensé à quelque chose comme ça. Comme je vous dis, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Pour moi, là, je suis comme. Je ne suis pas quelqu'un qui a nourri son plan mental de ça pendant sa vie. Fait que pour moi, c'est comme. Ça a été comme oui, j'ai fait face à beaucoup de choses inconnues parce que je n'avais pas de référence intérieure. C'est peut-être très bien comme ça. Donc, avant de m'endormir, j'avais eu le sentiment dans ma méditation qu'il y a des évacuations qui se font en ce moment. Et pendant la nuit, moi, c'est clair pour moi que j'ai contribué à ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans mes accompagnements avec les gens, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'êtres galactiques qui se sont. OK, je vais recommencer mon expression. Il y a beaucoup de communautés galactiques dont les membres se sont incarnés Oui. pour venir aider les humains. Et les personnes, parce que dans mes accompagnements, je fais des accompagnements avec les gens,
Il y a une personne, entre autres, qu'elle a un très beau, il est très beau, hein, en français, un très, très beau reptilien qui est toujours à côté d'elle. On a son nom et tout ça. Et ce qui m'impressionne, c'est que moi, j'avais pensé qu'un reptilien, ça avait les yeux avec les pupilles comme ça. Tandis que lui, il a des beaux yeux, pas de pupilles, mais tout bleu, un beau blanc bleu lumineux. Et il est super gentil. Et j'ai su qu'il était dans la race pure d'origine. C'est un sanéant qui n'a pas été comme. C'est la race noble. Qu'eux, ils sont pas dans l'énergie de destruction. Eux, ils sont vraiment concernés par l'évolution et tout ça. Et. Ce que j'ai vu à travers dans ces contacts avec la personne que j'accompagne, qui est une très belle personne en cheminement, toute lumineuse, et la première fois, c'est sûr que j'ai vu cette personne-là à côté, cet être-là, j'ai fait un peu le saut, parce que j'avais comme une connotation, peut-être c'est pas positif, mais plus que je l'ai découvert, non, il est très gentil. Et il a. C'est là qu'il m'a appris qu'il y avait des. Il y en avait une énorme quantité qui avait choisi les forces évolutives, mais qui en avait la race pure, noble, eux, c'était de purs généticiens, mais c'était. Ils ont quelque chose à faire en ce moment. Ils essayent d'aider à corriger le tir pour ceux qui, de leur lignée qui ont un peu dévié, là. Ils essayent d'aider pour compenser tout ça quelque part. Et il y en a un autre que j'accompagne, que elle, c'est un être qui a une tête de félin. Et il est très gentil aussi. Il est très gentil. Et lui aussi, c'est. Je dois vous dire que les premières fois que j'ai eu ces contacts-là, j'y croyais plus ou moins, OK? Mais à chaque fois quand j'accompagne ces personnes, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, je médite 30 000 heures avant. Et là, je prends contact déjà avec l'énergie de la personne et j'en reçois déjà plein d'informations. Et ces contacts-là s'établissent déjà. Donc, j'ai découvert, ça c'est en tout cas un avantage que moi, mais moi j'ai découvert qu'en ce moment, en tout cas c'est ma lecture des choses. Beaucoup de personnes qui sont conscientes de ce qui se passe et qui sont dans une démarche. Et qui veulent ouvrir à leur aspect galactique, beaucoup de ces personnes-là sont tout simplement des représentants de communautés galactiques. Et vraiment, qui ont décidé de s'acheter un prototype humain, carrément, un corps physique humain, pour venir aider directement. Et ça, Oui, pour tout à moi, fait. c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence pour moi maintenant. Et ce que j'apprécie, c'est la variété. Et c'est extraordinaire que la variété parce que maintenant, quand je suis en contact avec les gens, un contact assez plus prononcé, pas uniquement bonjour, bonjour, à un moment donné, la plupart du temps, j'arrive à sentir un peu la communauté à partir de laquelle à qui la personne appartient, mais c'est pas facile à définir parce que c'est bien au-delà de. Exemple, si je vous dis une communauté qui serait comme. La créativité, l'art, la beauté. OK? Bon, ben, tu sais, c'est des mots humains que je mets là-dessus. Mais j'arrive à sentir. Il y a d'autres communautés, tu sais, sont là. C'est ça qui m'impressionne. C'est la variété des communautés. Et puis aussi, de plus en plus, je constate que les gens qui sont réellement désireux là, de sortir de la matrice, de découvrir, d'ouvrir à autre chose, de plus en plus, les gens intègrent progressivement leur réalité galactique dans leur vécu et puis trouvent comment rendre cette réalité-là opérationnelle à travers leur humain. Et ça, pour moi, là, ça, c'est un grand signe en ce moment. On est parti de c'est loin de nous, là, de l'intégration qui se fait progressivement.
Ok. Alors, on va faire, comment dire, parce que là, tu nous as donné énormément d'informations. Alors, on va essayer un peu de revenir deux ou trois, parce que Oui. je me mets un peu à la place des gens qui t'écoutent. Et alors là, ils doivent se dire, waouh, mais attendez, là, parce qu'elle a posé, elle a soulevé plein de, comme on dit en France, je sais pas si ça se dit au Québec, mais on a soulevé plein de lièvres, on va dire. C'est une expression, hein, on soulevait plein de questionnements, on va dire, plein de choses un peu cachées. Alors, déjà, Oui. il y a ce que tu as vu où tu parles de certaines évacuations. Alors là, je pense qu'il faudrait, peut-être que là, je pense que les questions que les gens se disent, mais pourquoi il y en a qui s'évacuent? Qu'est-ce qui va se passer? Ou qui sont ces gens qui sont évacués? D'après ton ressenti, hein, Bon, je ne voudrais pas dire n'importe quoi parce que j'ai peu d'informations. Ça fait 2 nuits de ça. Mais étant donné que dans mon rêve, c'était des gens ordinaires, c'était pas genre. Ça me semblait pas être comme des hybrides ou des choses comme ça, on va dire les vrais mots, là. En fait, je ne sais pas vraiment. Mais je sais que c'est vrai. Mais je peux pas répondre. C'est un peu. Alors, Certains. Je vais aller voir à l'intérieur de moi parce que souvent, j'ai eu des conférences. C'est juste ça me. Je vais le dire. Ce que je ressens, c'est que. Il y a des lieux où il y a des phénomènes qui vont se passer et où il y a des personnes qui n'ont pas à décéder. Et ces personnes-là sont peut-être tout simplement amenées ailleurs sur la planète. Ça, je ne peux pas dire est-ce qu'ils sont amenés genre ailleurs, 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 à l'extérieur de la planète. Je ne suis pas certaine. Mais je sais que c'est pour préserver la vie de ces gens-là. Et c'est du monde ordinaire. Comme je dis tantôt, c'était pas genre des militaires, c'est pas juste des enfants, c'était monsieur, madame, tout le monde. Alors j'ai l'impression, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a des endroits, qu'il y a des phénomènes qui pourraient se passer, qui pourraient enclencher beaucoup de pertes de vie, et qu'il y a des gens qui sont déplacés. Et plus je le dis, plus que je m'apparaît étant, que ça m'apparaît comme étant assez juste, oui. D'accord. Et ça, tu penses que c'est présentement ou c'est d'une vision de l'avenir? Ah, ça c'est intéressant. Et ce que je ressens, c'est en ce moment, il y en a déjà, mais aussi, c'est comme ça se fait déjà. Et ça se fait déjà aussi pour vérifier comment ça peut se faire. Autrement dit, c'est comme des pratiques. Mais oui, ça se fait. Et sincèrement, je n'ai jamais pensé à ça là. Là, je le dis spontanément Parce parce qu'il y en a. que s'il y a un déplacement de population, alors je pense que je ne sais pas comment ça se fait, si on reste concrètement parlant, il y a peut-être des membres de famille qui vont se dire, mais où est-ce qu'ils sont passés? Parce que ça doit se voir. Effectivement, je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le futur plus que le présent. Peut-être que c'est des familles complètes qui sont retirées. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore assez d'informations là-dessus. Moi, j'ai des informations quand ça se répète. Là, le tableau d'ensemble se place. Sauf que ce n'est pas la première fois que je fais un rêve où il y a à quelque part des déplacements dans des vaisseaux de groupe. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, je me dis, ce phénomène-là, d'après moi, ça existe, mais je peux pas trop m'avancer, là, trop avant. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun parce que j'ai vu aussi ça, j'ai vécu ça. Je me rappelle même une fois, j'étais à l'entrée d'un vaisseau et je m'amusais à compter tous les gens qui rentraient dedans. J'en avais compté plus de 200. Et je sais pas où ils allaient, hein. Après, moi, je suis rentré dedans. Après, on est parti. Je sais pas. Alors, est-ce que c'était des personnages lambda? Mais je dirais plus que c'était quand même des êtres humains, hein, qui rentraient dedans, mais qui avaient quand même
quelque part une mission en lien avec tout ce qui était galactique. Hein. Et qu'on rentrait toujours faire ou des stages ou des séminaires ou je ne sais quoi à travers eux, avec eux. Ça pourrait, ce que tu viens de dire, ça résonne en moi. Ça pourrait être aussi ça. Et pendant que tu parlais, je me suis dit, et si c'était une partie, une contrepartie pas complètement humaine, une forme de conscience, de vie qui se sépare du corps physique. Moi, ce que je vis ça, cette expérience-là. Et que c'est cette conscience de vie-là qui se déplacerait pour aller recevoir des enseignements ou tout. Peut-être aussi. Tout est possible. Tout est possible. On est dans le domaine du possible. Hein. Tout devient possible. Alors, effectivement, en tout sens, moi, actuellement, je sais à travers un peu les groupes que j'anime qu'on reçoit, enfin, ils nous l'ont dit, hein, de toute façon, que beaucoup d'entre nous allaient être suivis par des galactiques pour faire des stages à bord de vaisseaux ou même sur d'autres plans, afin d'amener une nouvelle conscience chez eux qu'ils pourront retransmettre après sur Terre en fonction des événements qui vont avoir lieu. Donc, il y a une préparation chez certains êtres. Bon, en tout cas, ce que je... Et on voit vraiment, ils nous préparent à vraiment quelque chose de... En tout cas, dans le cercle où je suis, à quelque chose déjà de grandiose, mais qui va avoir des répercussions, évidemment, sur le plan mondial. Ça, c'est inévitable. Mais pas forcément négatif, hein. Toujours ça. Ça peut être surprenant, ça peut être déstabilisant, mais justement, il faut amener les consciences, c'est le travail que tu fais, hein, qu'on fait, amener cette conscience sur Terre à être apte à comment dire, peut-être à gérer le moment venu des changements majeurs. Oui. Majeurs, même au plan galactique, comme tu dis, parce que comme tu disais, il y a des êtres qui viennent sur Terre, qui préparent tout ça, là, qui amènent cette conscience galactique sur Terre. Il faut que ça devienne presque naturel, quoi. Et en fait, c'est quelque chose de tout. Je le dis souvent, c'est quelque chose de totalement naturel. Les contacts galactiques, c'est normal. Ce qui n'est pas naturel, c'est qu'on n'en est pas. Et qu'on Absolument. Le réfute. Oui. Et dans ce que tu viens de dire, ça me parle beaucoup parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un autre rêve impressionnant. J'ai fait un rêve où, pendant la nuit, devant moi, comme des diapositives, c'est des signes, des lettres, des chiffres, et c'est des pages complètes qui passent, comme ça. Et toutes sortes de... Ça m'apparaît comme des lettres, mais pas l'alphabet qu'on connaît, des chiffres, des symboles, il y a du contenu. Et ça passe. Et après avoir discuté avec quelqu'un, qui est une personne qui est vraiment très... connecté. Je dirais ça comme ça. La personne, elle m'a dit, bon, ben, moi, je pense que tu es vraiment préparé. Parce que c'est pas la première fois. Des fois, il y a des séries de chiffres. Mais ils me disent qu'il faut que je les retienne. Je retiens jamais ça. Hein. Je suis pas capable de retenir ça. C'est plein de séries de chiffres, plein de séries de symboles. Mais je suis jamais capable de retenir. Le lendemain matin, je non. Je pense, c'est ce qu'on reçoit, c'est des encodages. Ils nous encodent quelque part et ouais. Ça rentre dans notre ADN, dans notre inconscient ou sur nos corps subtils, hein, on va dire, quelque ouais. part. Mais c'est des formes d'encodage, ça oui, on en a reçu aussi beaucoup. Même si vrai que quand je les reçois comme ça, je ne comprends rien ce que c'est, rien non plus, mais je laisse faire. Ça s'encode, ça descend. Ça fait partie, je pense, d'une programmation aussi, hein. De tout un tas de choses. Et puis, je pense que ça modifie aussi notre ADN quelque part. Il y a quelque chose qui se joue sur des plans subtils que notre mental, quand on est un peu dans notre... en mode ordinaire, on va dire, un peu terrestre, bien que, voilà, on n'est pas en mesure d'emmagasiner ou d'en avoir la compréhension totale, sauf évidemment quand on est sur un autre plan. Parce que c'est... Moi, maintenant, je sens... un téléchargement qui se fait d'énergie. C'est ça. Et si je me mets en méditation, le téléchargement, grâce à ma glande pinéale, il prend une forme. Comme là, je vois des chiffres, des lettres. Et là, je sais que ça s'intègre à ma réalité. Et progressivement, c'est introduit dans ma réalité plutôt. Et progressivement, ça va s'intégrer. Mais avant, je sentais juste que là, j'avais moi, j'appelle ça du téléchargement, OK? Parce que c'est vraiment ce que je sens. Après, il y a des visions, il y a des choses. Fait que là, je vois que ma glande pinéale est en
train de faire un tri. Et elle associe ça dans mon subconscient. Je réalisais ça par vibration. C'est des associations qui se font pour créer comme une autre base dans le subconscient. Mais dans des niveaux très, très profonds, hein. Oui, bien sûr, j'imagine. Il y a aussi là, alors, tout à l'heure, tu as décrit un beau et un gentil reptilien. Alors, il faut se rassurer, on ne parle pas des grands méchants qui sont en train de qui veulent nous bouffer, au sens propre comme au sens physique hein, du terme, ne sont pas les mêmes. Hein. Alors, ne mélangeons pas. C'est pas, il faut se méfier des apparences. Enfin, il faut se méfier. C'est pas, il faut être prudent. Moi, j'ai vu des êtres comme toi qui avaient des têtes bizarres, franchement, grands, pas humains du tout. Mais franchement, c'était que de la bonté. Oui. Hein, moi, je me rappelle être rentré dans un vaisseau il y a quelque temps, et j'étais avec un personnage qui devait faire 2,50 m ou 3 mètres de haut. Enfin, je sais pas, il était vraiment grand, mais il avait une tête pas possible, quoi. Une tête, je ne peux pas le décrire un peu. Moi, quand je le rappelle un peu, c'est. Il faut connaître la série Stargate, Asgard, pour ceux qui ont vu Asgard dedans, mais en géant, quoi. Un être avec des gros yeux noirs, mais pas. Vous inquiétez pas, c'est pas genre les petits gris ou machin comme ça, avec une espèce de grosse tête vraiment bizarre, quoi. Il faudrait que je le dessine pour. Mais bon, hein, avec un espèce de grand. Manteau, enfin je sais pas si c'était un manteau, une grande tenue, une toge quoi. Mais il était âgé, il me semblait quand j'étais dans ce vaisseau, il me semblait super âgé. Et à côté de lui, il y avait le même être, mais un petit peu plus petit, peut-être 2 mètres, on va dire, mais beaucoup plus jeune. Et moi, je l'avais appelé l'acolyte, son acolyte. Et le grand, là, le vieux, il m'a pris dans ses bras comme ça, il m'a enlacé, mais je dis waouh! Super, il m'a fait un hug, comme on dit, quoi. Puis après, il m'a dit, ben non, tu vas dans la salle où on devait aller, une espèce de qui ressemble à une espèce d'amphithéâtre dans un énorme vaisseau où on devait recevoir des enseignements. Mais après, pouf, ils ont la fâcheuse façon de temps en temps de me couper un peu la mémoire, quoi. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour vous dire, en tout cas, pour revenir au fait que il peut y avoir, quand on parle de reptiliens, tout de suite, on a l'image du grand méchant. Mais voilà. Alors là, on va dire gentil reptilien, comme tu Ah dis, oui, aux hein, yeux bon. bleus. Ah, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. C'est les Avec races, lui. comme tu dis. Voilà, comme tu dis, c'est des beaux yeux bleus avec une race noble, évidemment, qui n'est pas la race de cette planète aride, là, qu'on nous a déjà décrit, et avec des êtres qui sont. Et je peux te dire, Denis, que j'ai été impressionnée parce que je l'ai trouvé très séduisant. Et là, ça me soulevait des questions en me disant, est-ce que dans un futur, nous pourrions être en relation amoureuse avec des êtres de d'autres civilisations, d'autres, pourquoi? Tout est possible, mais Tout est ce qui m'a possible. impressionnée, c'est que lui, vraiment, j'avais des atomes crochus avec. Il était séduisant, mais pas chercher à séduire. Non, non, c'est sa vibration. Il y avait quelque chose de très. C'était un mâle. C'est une énergie masculine. Une énergie masculine très équilibrée, très à sa place, avec beaucoup de noblesse, de protection. Ça interpellait vraiment le féminin en moi. Mais dans le sens très noble, oui. Pourquoi pas? Tout est possible dans l'univers. Hein on le voit des fois à travers des films de science-fiction, comme les Star Trek ou peut-être même les Star Wars, où on voit qu'il y a des fois des races différentes, mais qui se trouvent des affinités. Hein pourquoi pas? C'est peut-être aussi pour nous préparer à ça. Après, est-ce qu'il y a une compatibilité sur un plan génétique? Ça, j'en sais rien. Mais bon, au-delà, là, on se pose des questions peut-être qui sont. Enfin, ça va loin, quoi. Alors, je voulais aussi préciser une chose pour les gens qui nous regardent, c'est quand tu parles de rêve, c'est bien au-delà du rêve. Pour moi, c'est les sorties hors du corps, hein. Ça se place sur un plan subtil, Je sur un plan sais. astral, hein. Oui, je sais.
Et ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, depuis des années, des années. Et j'ai dû passer dans des rêves, souvent des épreuves, des tests, des initiations, souvent, souvent. Et oui. Oui, ça, on y a droit, je confirme aussi. Ils testent, ils testent, ils testent, ils nous initient. C'est toujours des... Oui, c'est toujours une grande initiation. De la même façon que ce que l'humanité est en train de vivre là, c'est pour moi la dernière la plus grande initiation qu'elle a jamais vécue. Ce passage, cette transition vers un autre paradigme, vers une autre dimension, c'est waouh, c'est une méga initiation pour toute l'humanité, hein. Entre autres. Et moi, je pense que, en ce qui me concerne, en tout cas, le plus grand défi, c'est d'arriver à garder la flamme de mon incarnation toujours aussi vivante, vibrante, tout en découvrant toute ma réalité galactique. Et parce que de plus en plus, l'information circule en moi entre ma vie que je détermine comme la vie présente et mes autres vies. De plus en plus, moi, j'ai des visions. Il y a eu une période là, où c'était tellement, ça devenait compliqué parce que je me sentais, je voyais, je vivais, je me sentais à la fois dans deux vies, ma vie présente et une autre vie. Et là, je me souviens, je marchais, puis là, tout à coup, j'étais ailleurs, je marchais ailleurs, je revenais. Ay, c'était vraiment. Et là, ça va mieux maintenant. Je suis capable de faire des contacts avec les autres espaces de vie liés à la vie actuelle, en tout cas celle que je considère comme la vie actuelle. Je le vis mieux, mais il y a eu une période que ce n'était pas si évident à vivre. Mais où mon défi, moi, c'est quand je ressens mon espace que je suis, ben, moi, je sais, dans mon cas, je suis un être galactique, parce que pour moi, on est une réalité invisible devenue visible. C'est ça, la base. Donc, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Point. C'est ça. Mais c'est. Parfois, c'est que je perds un peu qu'est-ce que je suis venue faire. Pas qu'est-ce que je suis venue faire. Mais comme là, je suis dans une phase. Oui, j'ai accompli énormément de choses maintenant avec tout ce que. Mais c'est quoi là que j'ai. Qu'est-ce que j'ai à faire en ce moment? Qu'est-ce que j'ai à faire de plus en ce moment? Qu'est-ce. Bon, là, étant donné que je n'ai pas les réponses, je reviens vers moi. OK, bon, ben, soit l'expression de ce que tu ressens comme étant tes valeurs les plus profondes. Donc, c'est ça que j'essaie d'être. Donc, chez mon attention est mise à l'expression de mon cœur sous toute forme, d'expérimenter, d'utiliser chacun de mes centres énergétiques dans les domaines qui y sont associés, comme, mettons, exemple, la parole. D'utiliser le plus adéquatement possible. Bon, et alors, pour chaque centre énergétique, je développe le domaine de vie associé à ça, j'essaie de le vivre en équilibre. Mais il y a une partie de moi qui aspire à autre chose, c'est comme, oui, mais je voudrais d'autres choses aussi. Alors, je sais que les réponses viennent quand on est prêt, prête, donc. Oui. Oui, mais c'est normal, je me suis posé aussi beaucoup de questions, mais bon, là, maintenant, ça va, je sais pourquoi je suis là. Mais ça a été des grands questionnements à un moment donné, parce que je me disais, mais quand même, il y a même quelques temps, hein, du tout début, je dis, mais t'es quand même pas là que pour faire des vidéos, quoi. Alors, non, mais bien évidemment, ça va bien au-delà. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, hein, aussi, qui ont été aussi des expériences, qui ont été. Parfois facile, parfois compliqué, parce que bah, des fois on est confronté à la nature humaine et elle n'est pas forcément toujours si chaleureuse que ça. On tombe plus sur les égos, tous les voilà. Bon. Mais enfin, ça fait partie de l'expérience. Et puis en fait, voilà, les choses, plus le temps passe, plus les choses se précisent et puis ça devient clair. Et je pense que même pour toi, quand tu as des doutes, enfin, maintenant, tu n'en as probablement plus, mais au moment où tu as eu des doutes, ils t'ont tout, enfin, moi, en tout cas, ils m'ont toujours amené à quelque chose, à vivre quelque chose qui me fait éclater tous les doutes. Il n'y en a plus. Voilà. Ils me ramènent à une réalité subtile qui me dit, ben voilà, tu doutais de ça, tu doutais de toi, tu doutais de nous, regarde, vis ça, bang. Et après, bon, ben, c'est bon.
Je dis plus rien, j'ai compris, ça va. Il nous ramène à notre réalité galactique. Oui. Quelque part. Et ça, voilà, et ça fait partie, je pense, aussi de tes missions, parce que ce que tu me décris, c'est ce que je fais aussi de mon côté, c'est-à-dire amener les gens à la fois à reconnecter les galactiques, mais reconnecter aussi leur être, ce qu'ils sont, au-delà de l'ego, au-delà de ce masque, de cette fausse personnalité. Parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a cette énergie qui nous vient, comme on dit au Québec, qui s'en vient, c'est ça, et qui fait partie de tes contacts, là on peut y venir, par rapport à Maitreya, l'énergie de Maitreya. Alors l'énergie de Maitreya, je leur dis vite aux gens, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'emballent, ce n'est pas une secte, ce n'est pas le truc de Benjamin Crème, hein, ce n'est pas la même chose. Maitreya, il est connu dans toutes les religions, hein, et c'est un peu celui qui est attendu pour notre époque à venir. Par exemple, les bouddhistes tibétains attendent Maitreya. Il y a même une statue géante de Maitreya, je crois que c'est au Ladakh, là-bas, il me semble bien, et qui est représenté, à la différence de tous les autres Bouddhas, parce qu'ils appellent ça le Bouddha du futur, hein, il est représenté, une statue géante qui doit faire une trentaine de mètres de haut, assis sur une chaise, pas en position du lotus, c'est-à-dire qu'il représente symboliquement vraiment quelque chose qui sera universel. Dire que ce coup-ci, il n'est pas, ouais, il est à la fois occidental, et il est pour tout le monde, quoi. Il est assis sur une chaise, il n'est pas en position du lotus. Donc, vas-y. Excuse-moi. Ben, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est sûr que moi, au début, quand j'ai commencé à canaliser cette énergie-là en 1993, je ne savais rien de ça. OK? Je n'avais aucune. Et puis, moi, je voulais canaliser des anges, des archanges, des anges. Et là, ils se définissaient comme un réservoir d'amour-compassion. Et ils disaient qu'il est la partie amour-compassion à l'intérieur de tous les êtres. Que ce n'est pas un être. En fait, ils se définissaient comme un réservoir et qui était. Et ils disaient, chaque personne qui va exprimer l'amour et la compassion va devenir Maitreya, va devenir une partie de lui. Donc, c'est pas un personnage. Non. Ça a été une. C'est un principe. C'est un principe. Alors, qui arrive sur Terre, cette énergie. C'est une énergie christique absolue, on va dire, comme tu dis aussi, avec l'unification du Christ et du Christos et du Bouddha. Hein. C'est vraiment ça. Qui doit descendre sur Terre, s'incarner en nous, quoi. Ou on doit la révéler en nous, peu importe, je sais pas. Après, peut-être qu'il y aura une représentation entre guillemets physique de cet être, ça on n'en sait rien, peut-être que oui, peut-être que non, à l'image de Jésus il y a 2000 ans, du Christ qui s'est incarné avec le Logos, enfin, on connaît l'histoire, peut-être qu'il y aura un guide universel qui sera le représentant de cette énergie de Maitreya, on verra, mais en tout cas, c'est partout, tout le monde en parle, hein. Et toi, t'en parles encore mieux parce que t'es bien connecté avec tout ça. Donc, si tu peux nous en dire quelques mots d'ailleurs, continue à nous en dire. En fait, l'énergie du Maitreya que je canalise, en passant, j'ai pas la prétention de dire que je suis la seule qui canalise, pas du tout. Okay? Moi, au travers, moi, il canalise un champ précis. OK? Et au début, il y a quelques je ne voulais pas qu'il canalise quoi que ce soit concernant les extraterrestres, les galactiques. Et j'ai levé cette interdiction-là il y a à peu près 7-8 ans, peut-être 10 ans. Parce que je voyais des gens canaliser des vaisseaux, puis je trouvais qu'ils étaient déséquilibrés. Moi, j'ai jamais voulu. Moi, je suis une personne très, très pratico-pratique, très méthodique. Et sincèrement, je peux dire intègre aussi, parce que je suis trop consciente des conséquences de mes paroles, de mes pensées, de mes actions. Donc, je suis très vigilante par rapport à ça, OK? Alors, cette énergie-là, premièrement, ce que je vois, c'est que c'est une énergie qui aide les gens
Maitreya, au travers, moi, entre le champ de transmission qu'il choisit, il aide les gens à devenir vraiment autonomes, responsables d'eux-mêmes, puis créateurs, puis arrêter d'avoir peur, puis sortir de la matrice. C'est vraiment ça à 100%. Là. Il a aidé à décortiquer les systèmes de projection, toutes sortes de choses, mais aussi plein d'enseignements. C'est tellement varié, c'est un bassin. Et donc, il y a eu toutes sortes d'enseignements pendant toutes ces années-là, que ce soit des accompagnements pour la naissance, pour la mort, pour le chamanisme, pour la conscience de vie, traités dans les soins énergétiques de toutes sortes. Et là, dans les dernières années, je pourrais dire que là, c'est vraiment pour nous aider à sortir de la matrice. C'est-à-dire créer notre propre matrice individuelle ou à l'intérieur d'elle. On va choisir ce qu'on laisse dedans cette matrice-là. Donc, ne plus être envahi, par exemple, avec des « ça doit se faire comme ça » ou un mode de vie que... Moi, j'appelle ça les forces involutives dans lesquelles on a baigné, parce que, bon, c'est la programmation des forces involutives. Donc là, beaucoup, beaucoup, les enseignements, c'est pour sortir de ça, mais toujours avec comment exprimer concrètement à travers notre humain la conscience lumineuse que nous sommes. Comment l'exprimer? Donc, parce qu'on est venu dans un plan matériel. On est venu ici dans quelque chose en ce moment, c'est tellement pas un hasard, on le sait. Et là, c'est le moment. On est entré dans une... On s'est préparé toute notre vie pour ce qui est là, en ce moment. Donc là, c'est le moment de se questionner en tant qu'être, en tant que conscience lumineuse, si les gens sont plus confortables avec ce mot-là, ou en tant qu'être galactique maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire en ce moment? En ce moment, quelle pourrait être notre action? Parce que j'ai eu des actions, des ajustements toute ma vie. Mais là, je me questionne parce que je veux que ce soit... C'est comme si j'avais besoin de quelque chose de plus précis ou encore... probablement c'est parce que j'ai évolué. Maintenant, je suis prête à passer une autre étape, tout simplement. Mais je sens qu'en ce moment, les énergies stimulent l'éveil de la conscience lumineuse dans les gens. De cette conscience-là ou de l'aide galactique. C'est évident pour moi parce que j'accompagne plein de gens. Et je suis impressionnée des gens qui n'ont pas nécessairement de contact, qui sont rendus à peu près tous à la même place. Il y a quelque chose de collectif qui se passe et c'est très réconfortant de voir ça. Oui, et alors déjà, je mettrai le lien de ton site dans la description pour ceux qui voudraient te contacter, que ce soit au Québec. Même en France, ça fait un peu loin, mais ça passe quand même. Voilà. Et pour toi, comment tu vois les mois ou les années à venir? Est-ce que tu as des ressentis sur des événements ou peu importe, ou je ne sais pas, ou des visions peut-être que tu aurais eues avec parce que tu as des capacités étonnantes, hein, ça on le sait. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à nous transmettre par rapport à ça, tes impressions, tes ressentis? Mes impressions, oui. Je pense que honnêtement, il faut être patient encore, premièrement. Hein. Et aussi, moi, ce que je sens de plus en plus, c'est que la libération, si on peut appeler ça comme ça, ne viendra pas des pays comme le Canada, la France, des choses comme ça. Ça va venir plutôt des pays qui n'ont pas autant bénéficié de l'abondance que nous, ce qui fait qu'ils ont resté plus proches de certaines valeurs. Et c'est ces pays-là, je crois, que c'est d'eux que va émerger la liberté. Ça, c'est mon ressenti. Donc, autrement dit, ce que je sens, je n'ai pas l'impression que, exemple, demain au Canada ou demain en France, c'est mon impression, OK? Que bon, ça y est, il va se passer des choses, les élections aux États-Unis, ça va tout changer, ça va améliorer les choses. Mais les gens qui ont vécu dans l'abondance, on est trop, la plupart des gens sont encore beaucoup, pour beaucoup trop ancrés dans les profits secondaires de l'abondance. Tout ce que ça leur amène, les voyages, les si, le luxe, toutes sortes de choses. Ils sont très distraits par ça.
Et j'ai l'impression que, bon, je me sens pas pessimiste, mais je me sens comme réaliste. J'ai l'impression qu'il y a des pays qui vont goûter bien avant nous ce que c'est la nouvelle humanité. Et que j'ai l'impression que le Canada, une partie de l'Europe, des pays comme ça, on va probablement être peut-être dans les derniers à pouvoir. C'est mon impression, là. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, moi, je sais et je sens. Moi je mets des. Dans l'énergie, je place mes affaires. Comme exemple, si je dois, pour une raison X, si j'aurais dû, pour une raison X, faire un prélèvement sanguin, mais tout de suite dans l'énergie, je mets non dessus. Je ne veux pas que ce soit utilisé à quoi que ce soit d'autre. Et je l'affirme. Et moi, j'affirme intérieurement que moi, je ne veux pas telle chose. C'est clair, je mets stop, non, c'est interdiction. Alors moi, je sais qu'on a à faire ça. On a à déterminer clairement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, mais ce qu'on veut aussi. Et le fait de déterminer clairement, sans avoir peur, moi, je veux ça, non, non. Ça crée un champ vibratoire tout autour de nous, ça fait un triage. Et c'est ce qui va nous permettre de passer entre les mailles du filet. Il faut être très clair. Moi, je sais que je suis protégée. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas peur, sincèrement, pour l'avenir. Je me dis, de toute façon, j'ai une capacité d'adaptation. Nous avons tous une capacité d'adaptation hors du commun. Et c'est peut-être ça qu'on va s'apercevoir. La résilience, mais c'est une capacité d'adaptation. Je me dis, peu importe ce qui va arriver, je serai capable de faire à ça. Bon. Alors, justement, tu disais que tu étais protégé. Alors, je ne sais pas si tu veux ou pas nous le raconter, mais tu m'avais raconté quand même une histoire qui t'était arrivée, que tu avais vécue en Suisse Ouais. et qui est fabuleuse. Bon, si tu veux nous la raconter, OK, pas de souci, Oui. parce que franchement, c'est magnifique, c'est incroyable aussi, hein. Oui. Alors, ça rejoint un peu, je veux dire, Aman, Marc, avec qui j'avais fait une vidéo qui lui a fait une mort imminente de 23 minutes où il était mort, où il est revenu. Mais là, c'est pas mal aussi ton histoire. Alors, si tu as envie, moi, je... Oui, je peux raconter Allez. deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'il y a quelques années, bon, je travaillais en Suisse, je faisais des tournées, proposer des ateliers, et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et on a dû aller à l'hôpital. Et en fin de compte, je faisais un infarctus. Et j'étais. Fait que là, ils m'ont mis aux soins intensifs, protocole d'infarctus, en tout cas, tout ça. Et le cardiologue venait, puis là, il m'examine. Puis là, moi, je lui dis au travers de ma souffrance, parce que je peux vous dire que c'est assez dérangeant. Et le stress que ça occasionne, les protocoles avec tous les médicaments, les machines, puis là, tu sais, c'est vraiment la grosse affaire. Et là, je lui dis, non, non, moi, je sais que c'est pas mon cœur, c'est énergétique. Là, il me regarde. Ah oui, madame, j'espère bien pour vous. T'sais, bon. Alors là, je suis dans ma chambre et c'est ça va pas bien, honnêtement, là, ça va pas bien, mon affaire. Et je perds comme connaissance. Et là, je vois venir vers moi une femme, une vieille femme. Elle a entre les mains de la jute, comme un tissu, mais moi, je vois ça comme de la jute. Et moi, j'ai travaillé au bloc opératoire. Fait que je sais ce que ça a l'air des vrais organes. Okay? Donc, elle a un cœur, un vrai cœur. Vrai cœur en sang, là, avec tout ce qu'il faut. Et là, elle vient vers moi, elle me donne le cœur. Moi, je prends le cœur. Et je le mets sur mon cœur, puis je dis, oh mon beau cœur d'amour. Et je pleure, je pleure, je pleure. Je me réveille, j'ai tellement pleuré que ici, là, les trous de mes bras, parce que ils sont remplis de larmes, puis la jaquette d'hôpital est toute mouillée. OK? Et là, je vais super bien. Je vais super bien. Alors là, les infirmières, je leur dis, ben moi, je suis bien. Puis là, je commence à leur dire, non, non, je vais bien, là, arrêtez ça, arrêtez. Et là, ils font venir le cardiologue, il me fait tous les tests, et plus rien. Plus rien. Là, il insiste, le tapis roulant. bon, c'est un peu ridicule, mais bon, ils me font passer le tapis roulant, ils veulent être certaines que je ne bluffais pas en disant je veux absolument sortir, je vais bien, mais sur le tapis roulant, ils l'auraient vu. Mais non, je suis super bonne sur le tapis roulant. Fait que là, OK, il comprend pas, on comprend pas, là, il me débranche, il arrête tout. Là, il me donne une prescription, c'est sûr, longue comme le bras, là. Et là, moi, je sors de l'hôpital.
même pas 36 heures après, je sors des soins intensifs sur mes deux jambes. Je m'en vais. OK, j'ai été fatiguée, par exemple, après. J'ai dû faire vraiment attention, mais ça s'est réglé. Et moi, je sais que j'ai eu une deuxième chance. Et là, je pourrais raconter une autre histoire comme ça qui m'est arrivée. Ça, c'est assez récent. Il y a 2 ans. Bon, j'avais une situation personnelle aussi qui était pas facile. Et je me suis. J'étais pas bien, j'étais à l'hôpital. Moi, je vais jamais, jamais à l'hôpital. Mais là, j'étais allée à l'hôpital. Effectivement, j'avais des soucis au niveau du cœur. Et là, bon, ils voulaient absolument me garder à l'hôpital. Non, 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 moi, je voulais pas être à l'hôpital. Je suis sortie. Mais alors, ils m'ont dit, on va te donner en urgence une rencontre avec un cardiologue dans 2 jours. J'ai annulé mon rendez-vous. J'ai dit, non, 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 moi, ça va être correct. Bon. Et j'ai traîné ça jusqu'à ce que. À un moment donné, j'ai dû retourner à l'hôpital en urgence. Et là, encore une fois, bon, j'allais 4 fois à l'hôpital en fin de compte, donc 4 week-ends, pas nécessairement consécutifs, mais où je veux en venir, c'est qu'en fin de compte, je faisais des fibrillations, péricardite, puis inflammation des muscles de la cage thoracique, la grosse affaire. Mais j'étais consciente que c'était une initiation que je vivais. Ça, je pourrais en parler, là, mais. Et puis, il y a une nuit. Parce que j'avais acheté un peu d'appareil pour mesurer ma pulsation cardiaque, ma pression, tu sais. Hey, j'étais rendue à 280 coups. Il faut le faire, là. Ah oui, j'étais certaine de claquer. J'étais couchée, puis je ne voulais pas aller à l'hôpital, puis j'étais pas bien. Et là, intérieurement, j'ai entendu. Tout s'est arrêté. Et là, j'ai entendu, tu peux partir ou tu peux rester. C'est toi qui choisis. Si tu restes, ça va être quand même difficile. Si tu pars, tu as accompli suffisamment ta vie et tu peux partir. Il était minuit. Et là, pendant la nuit, j'étais très, très mal et une partie de moi qui voulait partir, il voulait en finir, honnêtement, parce que je traînais ça, c'était péricardite. J'ai fait 5 récidives de péricardite, en tout cas. Et je suis pas partie. J'ai décidé de rester pour ma fille. Je savais que ma fille trouvait ça très, très dur. On est très, très proches l'une de l'autre. Elle est toute ouverte et tout ça. Pour mes deux chats. Et parce que je n'avais pas terminé les ententes que j'avais avec des gens pour les accompagner avec mes traits. Donc, je suis restée. Le matin, je savais. Après, quelques jours plus tard, j'allais marcher dans le bois derrière chez moi. En plein milieu du bois. Par terre, au moment où je me disais j'aurais dû partir, c'était tellement dur là. Parce que moi je refusais d'être traité conventionnellement, ok? Alors à terre j'ai trouvé un cœur, un vrai cœur là, avec un deuxième cœur dedans avec une chaîne. Trouvé ça à terre, à travers les feuillages. Après je l'ai toujours eu avec moi, tout le long de ma convalescence, je le portais. Quand j'allais pas bien, je le portais dans ma main. Et à chaque fois que je faisais des fibrillations, des fois je montais, ça n'avait pas de sens. Intérieurement, je me disais, non, je sais que je ne peux pas mourir parce que j'ai choisi de rester. Si j'avais à quitter, je serais visée. Donc, j'ai fait des choses qui, d'un niveau médical, c'est absolument fou, là. Je tiens à le dire, moi, en tant qu'ex-infirmière, je ne sais pas ce que je conseillerais à quelqu'un qui vivrait la même chose. Mais quand j'étais là-dedans, pour moi, je me disais, non, non. C'est clair, j'ai fait le choix de rester. Il n'y a personne qui va aller contre mon choix. C'est moi qui l'ai fait le choix. J'ai eu le choix, donc j'avais pas. Je disais à mon cœur, non, non, calme-toi, on va rester. J'ai fait le choix de rester. En tout cas, bon, c'était toute une histoire, ça. Mais ça a été pour moi un grand pas de dépasser ma peur. Des fois, je me disais, parce que mon cœur s'emballait comme ça, je me disais, ben, claque si tu veux claquer. C'est comme ça. Et en fin de compte, tu vois, j'en suis sortie et un bon matin, j'ai entendu, tu as réussi ton initiation. Et là, j'ai vu que j'étais en Égypte, dans un tombeau, et j'étais en amour avec un homme. Et parce que j'étais en amour avec un homme, je savais que si je réussissais, il appelait ça l'initiation du soi radiant, si je réussissais l'initiation, c'est-à-dire de quitter mon corps, à l'aide de mon soi radiant, de sortir du tombeau et de me rematérialiser, si je réussissais,
je ne pourrais plus être avec cet homme-là parce qu'il n'était pas à ce niveau-là. Si je réussissais pas, je décédais. J'étais prise dans mon tombeau et mon corps se décomposait. Et là, je paniquais un peu parce que j'arrivais pas à projeter, à rassembler assez mon énergie pour projeter mon soi radiant. Et dans une période comme ça, j'étais comme, parce que ça m'est arrivé une autre fois d'être sur la ligne du départ. Mes parents sont venus, sont décédés, sont venus vers moi et tout ça. À ce moment-là, cette deuxième fois-là, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai mis ma main sur mon bras, je me suis mis à me toucher comme ça et je disais, rassemble ton énergie, rassemble ton énergie, rassemble ton énergie. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas survivre en voulant sauver mon cœur au détriment de tous mes organes. C'était ensemble qu'on sortirait de là. Et là, à partir de là, encore cette fois-là, c'est comme s'il y a eu un pas de plus pour m'ancrer à la vie. En tout cas, c'est des expériences comme ça. Mais alors, j'ai réussi, en fin de compte, à quitter mon tombeau et à projeter mon soi radiant. Mais j'ai réussi à la toute dernière minute, comme cette fois-ci. Comme cette fois-ci. C'est incroyable. C'est incroyable déjà de survivre à 280 plus. J'imagine que ça doit être terrible. Ah, c'est terrible. Parce que... Bruit d'enfer, toutes tes cellules sont agitées, tes oreilles, c'est un bruit d'enfer dans tes oreilles. Ah Ouais, oui, ça doit c'est. être atroce. Ça doit être quelque chose. Et en plus, bon, voilà, oui, ben, comme tu dis, c'est tout vraiment initiatique, hein. C'est marrant quand même. Alors évidemment, là, on ne peut pas tout raconter en 1 heure 10 déjà, bientôt 1 heure et quart. En tout cas, c'est fabuleux. Je pense qu'il faudra sûrement qu'on revienne à d'autres occasions pour que tu nous racontes d'autres, parce que plein d'autres histoires fabuleuses. Franchement, par rapport à ce que tu disais précédemment, par rapport à l'éveil de quel pays tout ça pourrait venir, moi j'ai pensé effectivement comme toi à ce qu'on appelle les peuples premiers, comme je crois que c'est les Kogi qui s'appellent les gardiens de la terre là, ils se nomment comme ça les gardiens, qui sont eux pour le coup, c'est des vrais écolos, hein, qui sauvegardent vraiment, qui sont très respectueux des nadis de la terre, des fonctionnements de tout ce qui est énergétique, je crois que c'est les Kogis. On peut les retrouver sur YouTube pour ceux qui ne connaissent pas. Et ces êtres-là qui vivent, je sais plus quel pays, je crois que c'est en Amérique du Sud, enfin, je sais plus où. Quand vous allez les recevoir, ils vous demandent de vous purifier avant de rentrer chez eux. Il y a l'espèce de chaman qui les fait se débarrasser de toutes les pensées négatives, de toutes les peurs et tout. Et vous rentrez pieds nus sur leur territoire, mais nettoyés de ce qu'on pourrait appeler les scories éthériques, de toutes les pensées négatives. C'est vraiment des peuples incroyables. C'est les peuples premiers, un peu comme les aborigènes en Australie, qui ont gardé des capacités télépathiques incroyables aussi, hein. Puis d'autres, évidemment, probablement même au Québec avec les natifs, un peu partout. Je pense que c'est eux qui ont pu encore préserver. Tous ces savoirs qu'il faut écouter, parce que nous, les Occidentaux, bon, on a sombré dans le matérialisme pour beaucoup, et on pense qu'au profit, à produire, à surproduire, à avoir le dernier iPhone, etc., voilà, des derniers trucs comme ça. Et avec tous les changements, parce qu'on entre vraiment dans une ère spirituelle, hein, donc, alors évidemment, nous, on peut vous aider comme on peut, mais il y en a aussi qui ont des grands rôles à jouer qu'il faudra effectivement écouter le moment venu. Et on peut même commencer à les écouter maintenant parce que on est bien, on a entamé le chemin, hein, quand même, hein. Donc, et ça va quand même, je pense, aller en s'accélérant au niveau de la prise de conscience des événements qui sont là, pas pour nous prendre la tête, hein, ou pas pour nous faire peur, mais qui sont là pour nous éveiller nos consciences, tout simplement. J'aimerais ajouter quelque chose dans justement ça. Moi, je ressens que on va devoir vivre deux humanités en parallèle. La nouvelle humanité, il y a des gens
Bon, peut-être que c'est un jugement de valeur, mais moi, je ressens qu'ils sont déjà trop ancrés dans la matrice trois dimensions. J'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir en sortir. Et Non. ces gens-là vont continuer à vivre sur la planète, tu sais, ceux qui vont continuer à vivre, et la nouvelle humanité va s'installer. Il va y avoir quelque chose en parallèle pour une période de temps. Ah oui, je suis alors tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que moi on a appelé un peu. Il y en a quelques-uns comme ça à avoir vu ça hein, aussi. La scission, une scission de l'humanité. Il y en a un qui prend un chemin évolutif, on va dire, vers ce qu'on appelle la 5D, hein, et puis un autre bah, qui peut pas, qui n'en a pas les capacités, ou qui ne le veut pas, parce qu'il reste attaché au matériel, et qui va continuer dans un monde en 3D, mais qui ne va pas être forcément génial, génial non plus pour eux. Hein. Mais ouais, non, là, alors là, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai exactement les mêmes ressentis. De toute façon, c'est ce qu'ils nous transmettent aussi de là-haut. Mais c'est ça, absolument. Là, on y est, on le voit. On le voit déjà par rapport aux événements qu'on a vécu mondialement il y a quelques années, où il fallait faire la petite fléchette ou pas. Hein, la fléchette, vous comprenez, hein, parce qu'il y a toujours des mots qu'on ne peut pas dire, parce que sinon on est vite censuré, mais on se comprend. Et puis il y en a une partie qui a dit, bah ouais, moi non, moi je refuse complètement, quoi qu'il en soit. Je rentre pas dans ces peurs et dans tout ce qui arrive. Et là, j'ai vu aussi récemment, alors ça, on verra un peu en astrologie avec Delphine prochainement aussi, un peu, on va revenir sur ces événements, mais il y a la fameuse maladie X, je vais revenir. Qui est au Japon, là, hein, qu'ils appellent la. Comment ils appellent ça? La dévoreuse de chair. C'est super, hein, pour bien faire peur. Hein, c'est une espèce de. Voilà, enfin, de truc, là, qui sont. Ils essayent de nous faire un remake, mais en pire, de ce qui s'est passé. Mais on y reviendra, on verra tout ça. Mais voilà, donc, tout ça pour dire. Il y aura des choix encore à faire, là. Hein, mais il y a des choix, on en a de partout. Hein, Toujours. et toujours. J'ai toujours parlé, quand j'avais fait des expériences sur des plans parallèles, nos choix se déterminent, on peut avoir des. Ça détermine des trames temporelles, des trames dimensionnelles même, selon comment. Les choix qu'on va faire, des choix déterminants. Oui, Ça, absolument. donc, ça, c'est important. Moi, je l'ai vécu, ils me l'ont fait, enfin, on me l'a fait vivre hein, sur d'autres plans. Bon, j'en ai déjà parlé, vous retrouvez dans mes vidéos. C'est une des premières sur les mondes parallèles, là où j'ai pu voir ça. Mais ça, c'est du quantique aussi. Hein. Maintenant, même des physiciens le reconnaissent et l'expliquent exactement de la façon dont moi je l'avais expliqué, alors que je ne suis absolument pas du tout physicien. Hein. Mais voilà. Donc, pensez à tout ça. Hein. Réfléchissez bien à tous ceux que vous qui nous regardez et qui vous êtes tous impliqués dans ce changement de paradigme, hein, de ce qu'on fait, de nos choix. C'est important. Et ne faites pas des choix à travers la peur, faites des choix en amour, quoi, en conscience. Hein, parce que si c'est la peur, c'est l'ego. Hein, c'est lié tout ça. Hein. Donc, quand je dis toujours, vous savez, l'ego, c'est l'avocat foireux. C'est celui toujours qui va vous plomber toutes vos affaires. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Hein, c'est pas le meilleur. Hein. Écoutez plutôt votre chakra du cœur, là, ou votre conscience, ou votre âme. Elle ne se plante pas. Lui, il est bon. Mais l'autre, c'est vraiment l'avocat foireux, véreux et qui est mauvais. Très mauvais avocat. Voilà ce que moi j'avais à vous dire à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu voudrais rajouter le mot de la fin, Guylaine? Oui, ça nous demande du courage, mais c'est notre responsabilité de transférer notre réalité trois-dimensionnelle dans une réalité cinq-dimensionnelle. C'est à travers nos pensées, nos paroles, nos actions, hein, à tous les jours. À chaque fois qu'on va, plutôt que de choisir une façon de faire qui était comme ce qu'on était avant, mais qu'on va vraiment vouloir la modifier pour une autre façon de faire, qu'on conçoit comme étant beaucoup plus en lien avec ce qu'on veut devenir. À chaque fois qu'on fait ça, concrètement, on transfère une partie de notre réalité. Et ça, c'est notre responsabilité. Ça ne viendra pas de l'extérieur quand on va se passer d'un à l'autre. C'est nous qui devons transporter notre réalité. En fait, on est en train de se recréer. On prend quelque chose de la troisième dimension, on le trie, on le change. On l'élimine, on soutire quelque chose, puis on investit ça dans la cinquième dimension. On est vraiment en train de se construire. On est des constructeurs.
Et ça, il faut le réaliser en ce moment. C'est ce que je voudrais dire. Ah ben c'est très beau, très belle conclusion, hein, parce que voilà, c'est exactement ça, il n'y a, a plus rien à rajouter. Voilà, vous savez tout maintenant. Hein, donc, ben écoute, Guylaine, moi j'étais super heureux de te recevoir sur ma chaîne. Je pense que ça a dû passionner aussi toutes les personnes qui nous ont regardé. Alors, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, parce que c'est comme ça que ça fonctionne YouTube, pour que ça soit, voilà, qu'ils puissent diffuser la vidéo à tout le monde, la partager, vous liker, vous la partager. Et puis vous laissez des commentaires. De toute façon, si vous voulez retrouver Guylaine, dans la description, je vais mettre le lien de son site. Comme ça, vous pouvez la revoir. En ce qui me concerne, si vous voulez qu'on prolonge cette histoire, toutes ces histoires galactiques, vous pouvez me rejoindre à Lune Soleil en Dordogne le 27 et 28 avril. Là, il y a encore de la place. Voilà, là, c'est un grand séminaire initiatique galactique où là, on va pouvoir tous échanger en même temps. Voilà, directement avec les galactiques, puis continuer de transmettre plein de choses incroyables. Vous verrez, il y a du monde déjà, et puis ça va être fabuleux pour ceux qui le souhaitent. Et puis voilà, donc moi, ben, écoute, Guylaine, je pense qu'on va un de ces jours se revoir, hein, puis peut-être que je vais, normalement, je suis censé depuis pas mal de temps venir aussi au Québec. Parce que bah, il y a un peu la communauté qui me suit québécoise m'attend aussi depuis un bon moment. J'ai fait la guerre, mais c'est vrai qu'il faudra que je vois ça aussi parce que j'aurais dû venir aussi, mais il y a eu le coco là qui nous avait empêché tout là. On pouvait plus se déplacer. Bon, maintenant c'est loin derrière. Donc là maintenant, bah écoutez, je vais voir la meilleure époque pour venir au Québec. Alors je sais pas si c'est l'été indien ou si c'est en mai. Ou je sais pas, au printemps, ou je ne sais pas, on verra. Enfin, dès que je peux, je viens. Et moi, je te remercie beaucoup, Denis. Et puis, ben, je souhaite profondément que mes partages aient pu stimuler quelque chose dans les Oui. invités. Mais c'est mon expérience. Ben, elle est fabuleuse, son expérience. Et je sais que tu en as encore beaucoup à nous transmettre. Et on y reviendra. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Prenez soin de vous à tous. Et à très bientôt.